France is an unbreakable, secular, democratic and social republic that guarantees that all citizens are treated as equals before the law, regardless of their origin, race or religion, and that all religious beliefs are respected, as the 1958 French Constitution says. But is this the case? Is liberté, égalité et fraternité a reality in France? Le combat contre le terrorisme islamiste est un combat global, un combat contre le fondamentalisme islamiste. Sadly, Islamophobia and anti-Muslim feelings have increased ever since the terror attacks that targeted the satirical newspaper Charlie Hebdo or the mass shooting that happened in a Bataclan concert hall in the heart of Paris, killing more than 90 people more than 3 years ago. Muslims in France became the focus of an obsessive scrutiny of what they wear, what they do, and what they say, despite Islam being the second religion in France with 5.7 million Muslims. Islam has been criticized and Muslims have been discriminated against to the point of becoming the victims of a French system that wants to suppress any signs of affiliation to Islam. Il faut donc mener le combat des consciences et faire jaillir au grand jour ce qu'est la réalité de l'islam en France. Islamophobic sentiments have been endorsed by a divided political elite that has used Republican secularism or laïcité as a tool for putting Muslims under scrutiny and questioning their loyalty to the values of the French Republic. The French far-right party under Marine Le Pen has used Islamophobia to openly attack and reject immigration and blame Muslims for social problems in France. Rendez-nous la France! The most affected people among the Muslims in France are Muslim women. Since the ban of the full face veil in public in 2010, Muslim women have experienced discrimination on a bigger scale in French society. We will meet French Muslims from all walks of life who are fighting against prejudice and Islamophobia. They are simply fighting for justice, a word that sadly has long been forgotten by the French establishment. C'est affreux. C'est une sorte de terreur insidieuse qui s'installe dans la société. My first meeting takes me to one of the most symbolic places in Paris, La Place de la Nation, the Nation Square, in the heart of the capital. The square includes a large bronze sculpture called the Triomphe de la République, the Triumph of the Republic, and in the middle stands the statue of Marianne in all her glory. Marianne is a national symbol of the French Republic, a personification of liberty. She is the symbol of secularism, but she is often used by anti-Muslim movements and political parties to criticize Muslim women who wear headscarves or full veils in France. For them, French Muslim women who wear hijab don't represent Marianne and don't represent liberty. This is in this symbolic square that I meet Elsa Ray, a young French woman converted to Islam. Donc je m'appelle Elsa Ray, je suis militante depuis quelques années contre l'islamophobie notamment, mais aussi dans d'autres causes qui me tiennent à cœur en tant que femme française et musulmane. Elsa is an inspiring and outspoken young woman. She shows me that indeed, freedom does not only belong to Marianne. Freedom belongs also to French Muslim women like Elsa, who embrace liberty with all their hearts. Comment vous est venue en fait cette révélation par rapport à l'islam? Comment êtes-vous devenue musulmane? Alors, comment je suis devenue musulmane? À vrai dire, c'est un cheminement extrêmement personnel. L'islam, c'était quelque chose qui m'attirait depuis longtemps. J'ai lu énormément de livres sur le sujet. J'ai fait un cheminement spirituel en fait qui a duré de nombreuses années, mais relativement seul. J'avais pas un entourage spécialement musulman. Et puis voilà, de fil en aiguille, je me suis rapprochée. Et puis à un moment donné, j'ai senti que c'était temps de franchir le pas. Et voilà, je suis entrée en islam, c'était en 2013.
Est-ce que vous avez eu des cas vraiment extrêmes de femmes, parce que vous avez sûrement dû travailler avec plein de femmes, des cas extrêmes où les femmes ont été bafouées, insultées ou même, voire battues? Alors oui, oui, au CCIF, on a eu, vous savez, j'y ai travaillé presque 3 ans. En 3 ans, j'ai vu passer des milliers de cas, en fait, des centaines, pas loin de plus de 2000 cas, je pense. Beaucoup étaient très choquants. Moi, ceux qui m'ont le plus marqué, c'était les violences physiques, effectivement. Des femmes qui ont été agressées physiquement, je trouve que c'est... déjà, se faire agresser, c'est très violent. Mais en plus, se faire agresser à cause de qui on est, c'est doublement violent, en fait. Les crimes de haine, vraiment, c'est quelque chose psychologiquement très, très dur. Donc, il y a des cas d'agression qui m'ont beaucoup marqué. Des femmes dont on avait arraché le foulard. D'ailleurs, c'est arrivé à une amie à moi. Donc c'est extrêmement humiliant, c'est traumatisant, c'est violent. Vous pensez que ce sont plus les médias qui influencent les gens ou plus les gens peut-être qui ont déjà leurs idées reçues ou Alors c'est une bonne question, c'est une bonne question. Je me la suis posée aussi, je me suis dit est-ce que finalement les Français sont si islamophobes que ça? Parce que quand même moi je suis un peu entre les deux mondes finalement, entre les deux communautés si on peut parler de communauté. Moi je m'aperçois au quotidien que finalement les gens sont beaucoup plus ouverts d'esprit qu'on ne le croit. Alors évidemment, vous aurez toujours des gens qui vont tenir des propos, mais enfin quand même, on est en 2018, on est en France, il y a quand même, les gens sont quand même de plus en plus ouverts d'esprit, je trouve, en tout cas ça évolue petit à petit, hein, c'est pas non plus, voilà. Mais je me suis rendu compte que finalement, c'était quand même beaucoup plus, finalement les institutions sont beaucoup plus racistes que les gens ne le sont. Les valeurs françaises vont complètement à l'encontre des droits humains. Parce que pour moi, le droit humain, c'est de pouvoir pratiquer sa religion, de pouvoir être ce que l'on veut être sans être opprimé, oppressé, quoi. En réalité, si vous regardez les textes, donc la Constitution française, les lois de la République, la notion de laïcité, tous ces textes-là sont en réalité nobles, ont une certaine histoire. Ce ne sont pas toujours d'ailleurs construits dans le calme et voilà, ça a été parfois, il y a dû avoir beaucoup de combats pour avoir ces notions-là en France. Mais en réalité, si on les regarde avec des yeux objectifs, le plus objectif possible, ou même des yeux de juriste, ce sont justement des notions qui permettent aux citoyens et aux citoyennes d'avoir la liberté de conscience, la liberté de penser, la liberté, enfin voilà, toutes sortes de libertés qu'on a la chance d'avoir en France. Et malheureusement, ces valeurs-là, aujourd'hui, elles sont bafouées. Et elles sont même parfois utilisées pour exclure les citoyens et citoyennes de confession musulmane. Et c'est ça qui est vraiment dommage, parce que si vous prenez la notion de laïcité, à la base c'est une notion qui est vraiment très noble et qui justement a pour objectif de permettre à tous de vivre en paix avec sa conscience, c'est-à-dire évidemment dans la limite de l'ordre public, etc., mais de permettre à tous citoyens et citoyennes de vivre sa confession, ses croyances, ses convictions en toute quiétude, en fait. Et aujourd'hui, cette notion, elle est utilisée pour justifier des lois d'exception à l'encontre de citoyens et citoyennes musulmans. Donc c'est quand même vraiment dommage et je trouve que ça entache justement les valeurs de la République française. My next meeting takes me to the district of Belleville, a working-class district that was the birthplace of the great French singer Edith Piaf. I meet Yasser Louati, a French young Muslim man, a passionate activist for the defense of Muslims and Islam in France. My name is Yasser Louati. I'm a human rights and civil liberties activist. I was born and raised here in Paris. I founded and I chair the Justice and Liberties for All Committee. And we work on matters of repression and racism, because both of them are connected. Yasser presents a radio show for France Maghreb 2 radio station, an engaging place that gives a voice to the French people of North African origin. It also allows a fierce resistance to Islamophobia in France. I was born and raised in France, but then I moved abroad and I was exposed to the Gaza massacres in the 1980s with the first Intifada. That had a huge impact on me. Then you have the legacy of colonization, which runs through Northern African families. My family is from Tunisia, so of course we did not experience
what the Algerians experienced, but we did experience the solidarities with our Algerian brothers and sisters, and of course the way settlers were behaving in France. And of course then in my own family I had opponents to the dictator Zine El Abidine Ben Ali. So all of that makes you grow up in an environment that is very critical of the way society is evolving, be it in France or Tunisia. And as the situation is deteriorating in France as we speak, and in the way you grow up as a French non-white kid, you can either accept white supremacy or you fight it. The perception of Muslims in France is a direct legacy of France's colonization and France's manufacturing of the non-white other. When it comes to Muslims, they today represent whatever France wants to fight and wants to dominate. Of course, Muslims are welcome when they are wealthy individuals coming from Saudi Arabia or the UAE, to name a few, but when they are French citizens, they are not welcome. And as Muslims are now saying, I am a French citizen and I demand my rights, that becomes problematic because there is this perception that French Muslims should be somehow grateful for being here, grateful for being given a citizenship. Well, in fact, France should be grateful for having these Muslims. Why? Because while France's white elite was, for example, collaborating with the Nazi occupier, you had Muslims fighting them to kick them out of the country. When France was demolished after the Second World War, they called Muslim workers to rebuild France and spur the economy. So it's a clash of visions of what France is and how France should evolve. And that's why Islamophobia in France is just the latest manifestation of structural racism in France. Before, it was racism against blacks and Arabs, and before that against Jews, and we know where that led in the 1930s and 40s. But today, Islamophobia, unfortunately, has become the acceptable form of racism, that it's okay to be Islamophobic because you are just targeting a religion. No, you are targeting a religion and directly targeting those who practice that religion. And therefore, in the name of secularism, in the name of, in French we call it, anti-religiosity, you are definitely putting millions of Muslims or throwing them under the bus, portraying them as the enemy within, and therefore justifying their treatment as second-class citizens, because to you, that they say, I am French, I am Muslim, I am black, I am Arab, I'm a woman, etc., should not be acceptable. They should just say, I'm so grateful you white folks are accepting me here. My journey carries on with more insightful meetings, and this time I head towards Poissy, a town located outside central Paris. I meet Jihan Lazarak-Choub, an active French Muslim woman who has worked to empower Muslim women in France and to give them a voice. Je suis donc Jihan Lazarak-Choub, j'ai 35 ans. J'ai travaillé pendant près de 15 ans en tant que journaliste. For Jihan, Islamophobia is created by the French state and institutions. I am deeply inspired by her willingness to challenge Islamophobic behavior in a French establishment. Maintenant, Jihan, explique-nous ton combat sur l'islamophobie, parce que malheureusement, ce fléau en fait continue à se propager. Alors, il y a plusieurs choses dans mon parcours. Disons que je ne dirais pas directement un combat contre l'islamophobie, ce n'est pas ça l'objectif. Si je parle vraiment de mon vécu personnel, en fait, depuis que je suis jeune étudiante, que je suis au lycée, bon, j'avais cette vocation de journaliste. Et donc, en tant que journaliste, j'avais envie de donner la parole aux gens, d'aller à la rencontre justement de ces personnes qui sont un petit peu invisibilisées sur la question des femmes, qui me prenait beaucoup à cœur, moi en tant que femme française, d'origine maghrébine et musulmane, et plus tard qui a porté le foulard. Donc c'était important pour moi dans mon parcours d'aller à la rencontre de ces femmes, de ces personnes en général, les personnes issues des quartiers populaires, et de leur donner la parole. Parce que très vite,
dès ma plus tendre jeunesse, j'ai senti qu'il y avait une parole qui n'était pas écoutée, qui n'était pas entendue et qu'il fallait aider à être mise en valeur. Donc c'est pour ça aussi que j'ai voulu être journaliste, c'est pour donner la parole aux sans-voix. Malheureusement, il y a eu donc les attentats du 11 septembre en 2001. Il y a eu pas mal d'événements, la guerre en Afghanistan, la guerre en Irak. Et la France, le débat public s'est vraiment crispé. Il y a eu une crispation, il y a eu des tensions et on a ressenti cette islamophobie-là. Des fois, ce n'était pas forcément une islamophobie directe où on se faisait agresser ou je me faisais agresser ou quoi que ce soit. C'était une tension où à un moment donné, les musulmans étaient visés, les femmes musulmanes qui portaient un foulard étaient visées. On était pointés du doigt comme islamistes, comme intégristes, comme potentiels terroristes. Et moi, cette crispation, cette tension, je la sentais et je me disais qu'il fallait que je fasse quelque chose. Et qu'il fallait montrer une autre voie, montrer une autre idée. Et donc, c'était important pour moi de toujours être présente. L'islamophobie en France n'est pas un racisme de base, du typique de l'homme blanc d'extrême droite qui est xénophobe, qui va dire les Arabes à la Seine, etc. L'islamophobie, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est vraiment un système. Parce que le collectif contre l'islamophobie en France nous raconte que, en fait, l'islamophobie, la première source d'islamophobie, c'est le service public. C'est l'État. C'est l'État qui déjà a institué la loi de 2004 qui empêche les femmes qui portent le foulard d'aller à l'école. C'est des structures publiques qui vont... L'école, qui vont dire aux mamans qui portent le foulard, non, vous ne pouvez pas accompagner vos enfants dans les sorties scolaires alors qu'il n'y a aucune loi qui interdit. C'est des élus qui vont dire à des femmes qui portent le foulard le jour où elles vont aller voter, ben, il faut que vous nous montriez vos cheveux pour voter. Alors que tout ça n'est en rien... Il n'y a aucune interdiction claire. Ce qui entretient l'islamophobie, ce n'est pas forcément les gens. Parce qu'il y a des exemples formidables de personnes françaises blanches qui ne sont pas musulmanes, qui vont être dans l'empathie. Je veux dire, il y a une des victimes de l'attentat du Bataclan en 2015. Sa femme est décédée au Bataclan. Il a écrit un livre, « Vous n'aurez pas ma haine ». Pourquoi ? Parce qu'il a dit, « Moi, ma femme est décédée. Ce sont des terroristes qui ont tué ma femme. » Mais ce ne sont pas les musulmans. Les musulmans n'y sont pour rien. Aujourd'hui, il y a des terroristes dans toutes les religions. Terrorisme chrétien, terrorisme blanc, terrorisme musulman. Et même si on fait les chiffres, les premières victimes du terrorisme au niveau international, ce sont les musulmans. Je suis Samira de Islam Channel. I reach out for the French Muslim organization, the Collective Against Islamophobia in France, and make my way to Saint-Ouen, a little town outside of central Paris, to meet Sami Deba, the founder of this organization. Alors, je m'appelle Sami Deba, j'ai 48 ans, et je suis professeur d'histoire-géographie dans un lycée public. Sami opens up to me to tell me about the situation of Muslims in France and the discrimination and hardship they face on a daily basis. Le CCIF est une organisation qui a été créée en 2003 dans le contexte des débats autour de l'interdiction des signes religieux dans les écoles publiques du premier et second degré. À cette époque, le président de la République, qui était Jacques Chirac, avait décidé de mettre en place une commission qui s'appelait la commission Stasi, visant à enquêter et débattre sur l'opportunité de mettre en place une loi interdisant le port des signes religieux dans les établissements publics qu'on appelait communément loi contre le voile. À cette époque, les débats étaient très, très houleux et on avait chaque jour un article, un reportage, une enquête qui était diffusée soit à la télé, soit à la radio, soit dans les journaux ou même dans les hebdomadaires. Nous avons donc décidé de faire un appel aux juristes, à des juristes, pour venir un peu expliquer ce qu'était la loi sur ces questions de discrimination et comment se défendre. Et c'est comme ça que petit à petit, on voit commencer à naître une organisation autour de l'observation des actes islamophobes et autour d'un soutien juridique. Quels sont les cas les plus choquants
que vous avez eu, parce qu'il est important de parler de cela, de ces cas où les femmes se font agresser, ou quels ont été les cas les plus choquants que vous avez eu? Évidemment, les cas les plus choquants, en fait, au début de l'action du CCIF, les cas les plus choquants, c'était cette impunité de la parole raciste, particulièrement islamophobe, dans un pays justement qui avait montré au même moment sa volonté, sa détermination à lutter, par exemple, contre d'autres formes de racisme et de discrimination, comme le sexisme ou bien l'antisémitisme. Et là, on était assez choqués de voir la différence de traitement qu'il y avait dans le cas de l'islamophobie par rapport aux autres formes de discrimination. Ça, c'était vraiment le premier choc. Mais au fur et à mesure où cette situation, où les témoignages remontaient d'actes ou de propos islamophobes, eh bien, un cas plus grave en chassait un autre, jusqu'à se retrouver face à des situations, justement, d'agression physique, intentionnelle et préméditée. On a eu le cas, par exemple, un des plus choquants, c'est l'agression d'une femme dans la région parisienne qui était enceinte, où elle a été lâchement attaquée avec des insultes islamophobes et à qui on a porté des coups dans son ventre. Et je pense même qu'elle avait même perdu son enfant, son bébé. C'est un des cas les plus choquants. Et c'est là justement où réside tout l'intérêt d'une organisation comme la nôtre, car je le rappelle que le collectif contre l'islamophobie en France est la première organisation européenne, voire internationale, qui est spécialisée sur les questions d'islamophobie et qui a la plus grande expertise sur ces questions aujourd'hui en Europe. Parce qu'on a très tôt compris que ce phénomène-là allait prendre de l'ampleur, particulièrement en France, mais qu'il allait également s'étendre à l'ensemble du continent, étant donné que parallèlement, on voyait que le discours des mouvements d'extrême droite prennent de plus en plus de poids dans un contexte de crise économique et sociale au sein des populations. Et aujourd'hui, nous sommes face à une situation où la parole d'extrême droite, qui était une parole marginale, aujourd'hui, elle devient transversale. L'objectif réel des islamophobes, quel qu'il soit, c'est d'invisibiliser la femme musulmane qui porte le voile et plus globalement d'invisibiliser toute manifestation de l'islam et des musulmans dans l'espace public. Islamophobia is a long battle that needs to be fought in France, and French Muslims such as Elsa, Yasser, Jihan and Sami have shown me that they won't give up their fight for justice. Historiquement, l'islam a traversé les âges et les pays, et il a su s'adapter à la réalité locale des pays, à la culture des pays. L'évolution, en tout cas, de la société, elle va se faire petit à petit, mais ça demande quand même beaucoup d'abnégation et beaucoup d'années de combat, je pense. C'est important pour moi de toujours être engagée, d'être présente, d'être auprès des gens et de ne pas sortir de la société, de toujours être dedans et porter notre voix et être français et française tout naturellement, tout simplement. Les seules personnes qui voient dans l'islam une religion qui ne peut pas s'adapter à la République, ce sont des gens qui, un, n'ont pas confiance en la République, deux, ont la haine de l'islam et de l'islam. France has absolutely no lesson to give to the rest of the world when it comes to human rights and civil liberties. And today, unfortunately, Muslims are experiencing what other communities have experienced before. The French Republic has failed in many ways to provide those very precious values of liberty, equality and brotherhood to a lot of its own citizens. But Muslim voices will still be heard to remind France that religious freedom is a crucial right.